vous ferez ce que vous voulez. Il aura confiance en vous et vous ferez ce que vous voulez. Ça, c'est un numéro qui m'a pris énormément de temps. Parce que je vous dis, je me produis dans toute la France. Viens là. D'ailleurs, tout le mois de mai, pratiquement, on reçoit sur Côte d'Azur. Viens là. Voilà. Viens ici, ma cocotte. Viens là. Tu le détaches, s'il te plaît, Thierry. Voilà. Alors, on va les faire monter à l'étoile. Ça, c'est un numéro qui a coûté énormément de temps. Et puis là, il n'y a pas de... Chez nous, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton. Ça existe tout, je marche à la voix et à l'affectif. Voilà. Allez, hop, à ta place. À ta place, toi. Voilà. Monte, hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est des heures de travail pour arriver à les faire monter comme ça, sans bouger. C'est le numéro que vous voyez avec, avec les chevaux. Voilà. Allez, on va passer un numéro suivant. On attache tout le monde. Parce que le numéro... Vous verrez, il n'y a pas de précipitation. Hein. À un moment donné, on va se retrouver dans le contre-droit. Vous allez voir avec quelle délicatesse hein, elle coupe la carotte. Il faut avoir une confiance totale dans l'animal pour faire le numéro que je présente. Vous verrez, tout se passe tout en douceur. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de grand monde en France qui se présente avec, avec les ânes, qui travaille surtout avec un spectacle avec les ânes. Et nous, nous parcourons la France jusqu'au monde du tour. Sous ce chapitre, en ce moment, c'est M. Pignon
Et puis juste à côté, le couleur qui a mis le prière à la finale, c'est un numéro qui nous fait depuis bientôt. Compagnie de notre ami Nicole, qui a double carte, Val de Gascogne avec les vins, et également le couleur qui gère. Donc si vous voulez venir voir travailler ce couleur qui a vraiment une explication, eh bien Nicole est à votre disposition pour tout le monde qui profite. Alors pour je suis pas content de toi. J'ai reçu ton carnet de compte et à l'école ça va mal. Tu vas renouveler l'année prochaine. Alors tu vas montrer ta femme. Tu es un petit talent intelligent. Allez, tu joues pas, c'est pas le moment de jouer. Allez, s'il te plaît. On a le roi, le fils d'un grand. Allez, ici à proximité, on continue. Là, tu vas avoir le paysage. Là, c'est le paysage de toi. Allez, Non, 9, 10, 11. Ah, un peu, plus. Alors, tu travailles au rabais, toi. Non, un peu plus, s'il te plaît. Allez, hop, allez, c'est parti. 1, 2. J'arrive de le plier. J'arrive de ton pied, parce que tu veux bien le plier. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cache le pied. Allez, on va le laisser tranquille. Allez, c'est bien. Voilà. Alors, vous le soir, vous regardez la télévision. Air bleu. Laisse ça, tranquille. Viens ici. Là, non. Viens là. Il est très joueur. Viens là. Regarde-moi. Alors, tu vois, il y a trois coups là-bas. Là, c'est le noir. D'accord. Regarde bien. Là c'est le rouge, hein. Et là c'est le bleu. Tu as bien vu? Alors tu vas pas le perdre comme chaque fois, au premier coup. Hein? Voilà, laisse-le là, merci. Voilà. Allez! Va tomber le bleu! Le bleu! Non, ça c'est le rouge! Non. Viens ici. Lève-toi. Voilà, viens ici. Viens ici, viens là, viens ici, tourne. Alors regarde, si tu tombes comme il faut, je te donne. Va tomber le rouge. Voilà, viens ici, là, laisse-le celui-là. Laisse-le. Tiens, je vais te donner la récompense. Voilà, viens. Alors là, il reste le bleu et le noir. Voilà. Regarde, allez, viens ici, viens. Viens là. Donne-moi la récompense, parce qu'il faut avoir toujours la récompense. Voilà, viens ici. Alors regarde-moi. Là, il y a le noir et il y a le bleu. Va tomber le bleu. Le bleu. Ça, c'est le noir. Non, tu n'as pas tombé. J'ai dit le bleu. Va tomber le bleu. Non, regarde, il y a ça. Va tomber le bleu, j'ai dit. Le bleu. Non, ça, c'est le noir. Non, t'as rien du tout, là. Non. Il vient tomber le bleu, là. Viens ici. Alors, il le sait qu'il fait le malin, là. Viens là. Va tomber le bleu, j'ai dit. Viens là. Va tomber le bleu. Et fais quoi? Viens là. Viens ici. Voilà. Alors, tu sais qu'avec ta mamie, on partait souvent à la montagne, avec mamie Chloé. Alors, on va partir à la montagne tous les deux. Hein? T'es d'accord? Allez, on va commencer à mettre la couverture. On va mettre le bas. Et on s'en va à la montagne. T'es d'accord? Voilà. Quoi, non? Tu veux pas aller à la montagne? Lâche ça. Il dit qu'on va à la montagne. Voilà. T'es prêt pour partir à la montagne? Hey! T'es d'accord pour partir à la montagne?
puis, couloir. Il va le manger, tu peux plus. Est-ce que tu vas à la montagne? Tu vas me faire mentir aujourd'hui? D'habitude, il prend sa couverture, il la jette, il n'y a pas moyen de... C'est ça le problème avec, avec les animaux. Ah, vous voyez qu'il comprend tout. Et c'est ça pour ça que les gens ne veulent pas se présenter à un spectacle avec les ânes, parce qu'avec les chevaux, pour la contrainte, ils arrivent à faire ce que vous voulez. Tandis qu'eux, ils font que ce qu'ils ont envie. Et s'ils le font, c'est pour faire plaisir. Voilà, c'est bien. Et bien, on va dans la montagne alors. Allez, on continue. Alors là, c'est... Il faudrait une carotte. Non. Et voilà. Ça c'est un numéro qu'ils aiment pas du tout, ils aiment les chevaux, parce que dès qu'il y a un peu de vide, hein, ils ont peur, ils veulent pas, hein, ils veulent pas monter. Voilà. Allez, viens, continue. Voilà. Viens là. Fini de manger. Tourne, hein. Tourne, hein. Viens si vous voulez. Oh. Allez, viens ici. Regarde, hein. Passe la tête, là. Passe la tête, là. Dépêche-toi. Passe, hein. Passe la tête, hein. Allez, passe la tête, hein. Tu es en train de manger, là. Passe la tête, s'il te plaît. Allez, avance, hein. Passe la tête, complètement. Complètement. Ah, on va considérer qu'il a passé. Allez, c'est bien. Mesdames, messieurs, si vous avez passé un bon moment avec moi, bien sachez que j'en ai le même. Et avant tout, moi, ce que je voulais changer, c'est changer l'image que vous avez de cet animal. Et si j'ai réussi, eh bien, je n'ai pas perdu mon temps. Et avant que vous partiez, on s'est moqué de tout temps, nous sommes moqués de cet animal. Et aujourd'hui, c'est lui qui va se moquer de nous et de notre société. Eh bien, écoutez ce que l'âne vous dit aujourd'hui. Il vous désigne à nous muer, réprimer, suer, soit prier tout le bâton. Il souhaitait même mon extermination. Les temps ont bien changé, je reste auprès, je mange, et plus encore, je veux méditer. À l'école, on vous a fait aller, pour votre bien, on vous a raconté. Mais là, vous savez lire, écrire et compter. Du travail, vous le pouvez trouver. Hélas, c'est le problème de notre société. Je suis soit un travailleur augmenté, je n'ai qu'un simple pion de la société. Fiché, immatriculé comme une bête au marché. Il ne fait pas un pas sans être surveillé. La pub et la télé, la tête, ils vous ont décidé. Ah, mais là, pour être heureux, là, le peuple est immédiatement installé. On te regarde passer matin et soir. Ton tas de ferraille sur bleu à tel prix acheté, les bleus dans le virage caché, on a bien installé, et le permis prêt à te faire sauter. Nos anciens dans la tombe doivent se retrouver. Où est le temps, l'entraide, l'amitié, le respect, une assiette pour celui qui passait. Écoute le yacht qui retentit dans les prés, la forêt, les animaux en train de se lamenter. Tu as tout maîtrisé, tu as tout inventé. La terre à la gueule va nous péter, mais nous sommes trop bêtes, hein, pour le voir arriver. Voilà ce que le président voulait vous dire aujourd'hui. Et comme ils sont très gentils, eh bien, nous ne sommes plus dans le pas. Moi, mon petit amegui, que l'on appelle l'un des bergers, qui a accompagné à l'estime dans les chemins poussiéreux pour nous héberger, c'était le temps que nous ne se pressions, de nous marcher à Palan sur la route étoilée. C'était le temps de Pagnol, c'était le temps de Paul Arène, c'était le temps de Nogué. Eh bien, à vous tous, petits enfants, eh bien, si un jour tu fais l'appel que tu as vu un monsieur avec des ânes, eh bien, sache que moi, je serai monté là-haut dans le ciel, avec la grande prairie, vous pouvez trouver tes amis, eh bien, je serai près de toi et je penserai beaucoup à toi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon appétit, et je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci beaucoup.